Je vous présente Rosalie. Elle est née il y a un mois à l'hôpital, entourée de médecins et d'infirmières qui se sont assurés qu'elle était une petite fille en bonne santé. Sa maman mange bien et suffisamment. Ainsi, tous les jours, Rosalie boit son lait avec des soupirs de satisfaction. Rosalie a un grand frère qui l'aime beaucoup. Dans quelques années, ils iront tous les deux à l'école, gratuitement. Rosalie pourra ensuite pratiquer le métier de son choix. Musicienne, gestionnaire, ingénieure, coiffeuse, joaillière. Rosalie vit à la campagne. L'air qu'elle respire est-il aussi pur et sain qu'on l'aimerait? Peut-être pas. Malgré tout, la vie s'offre à elle comme un joli cadeau. Et elle a toutes les raisons d'espérer que le meilleur. Toutes les petites filles naissaient avec la même chance que Rosalie.